بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'un des plus graves problèmes qu'ait connu la nation musulmane est qu'elle n'ait plus eu cette production scientifique et littéraire qui aurait pu, on va dire, conceptualiser tous les préceptes de l'islam ou tous ses concepts. Chose que l'Occident a vite fait de comprendre et de mettre en action. Si bien que nos jeunes aujourd'hui, dès lors ou pour la simple raison que l'un d'eux est un portable, il peut s'ouvrir sur une multitude de concepts, de connaissances, et beaucoup pensent que les Occidentaux, à l'heure actuelle, sont les innovateurs ou les inventeurs de ces concepts, alors que notre lecture du Coran devrait nous amener à fabriquer, à forger ces mêmes concepts à partir de nos propres lectures. Le problème, un autre problème qui est encore plus important, est que non seulement nous ne faisons aucun travail de conceptualisation, mais nous sommes carrément dans une stagnation qui fait que nous sommes devenus des cerveaux sclérosés, malades. À telle enseigne que même quand il y a un problème, ce problème se répète à volonté et cette redondance ne fait que se généraliser dans toutes les sociétés, dans tous les pays musulmans. Par exemple, chaque année, vers la fin du mois de Ramadan, il y a une polémique sur Zakat al-Fitr. Doit-on s'en acquitter en numéraire ou doit-on suivre à la lettre et de manière, scrupuleuse, ce qui a été fait par le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam. Mais cela, sans même essayer de savoir ce qui a été fait juste après lui, par ses compagnons, ou bon nombre de ses compagnons, et un certain nombre de suivants, tabi'in, sans même essayer de voir s'il s'agit là d'un culte à l'ibadatul ma'koulatul ma'na ou ghir ma'koulatul ma'na, c'est-à-dire un culte à vocation révélée ou non révélée, auquel cas il pourrait y avoir des démarches qui ne seraient pas celles entreprises par le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, mais qui se référeraient à l'esprit même de sa tradition. Et il en est de même, non pas seulement dans le domaine du mondain ou du culte, même dans ce qui a trait à un certain nombre d'affaires d'ordre politique qui pourraient être très très importantes pour la nation. Par exemple, nous sommes toujours à discuter du vote. Est-ce halal ou haram? Et tout le monde devient... le problème, c'est que s'il y a un tremblement de terre dans nos pays, tout le monde devient spécialiste en la matière. S'il y a un championnat ou une compétition de football, chacun s'évertue à devenir le sélectionneur national et ose même donner des conseils ou critiquer le sélectionneur national, et il en va de même pour des affaires d'ordre politique ou qui ont trait à ce que nous appelons en langue arabe « siyas shar'i », à ce que nous pouvons traduire par « politique licite ». Le système de gouvernance qui a été imaginé par le modèle, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la prophétie, c'était le modèle prophétique. On appelle cela le modèle prophétique. C'était le prophète qui était en même temps prophète, chef d'État, législateur, etc. Quand le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, était près de la mort, il a suggéré Abu Bakr al-Siddiq à travers un certain nombre de choses ou d'actes. Entre autres, nous citerons qu'un jour, alors que lui ne pouvait pas guider le groupe des compagnons dans la prière, c'était Abu Bakr al-Siddiq qui avait pris sa place. Le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, quand il est sorti, il a prié. Il était l'imam d'Abu Bakr et Abu Bakr était l'imam du groupe.
Ce qui signifie qu'il le plébiscitait déjà pour ce que nous appelons le khilafa, c'est-à-dire à être son suppléant ou son successeur après sa mort. Sidna Abu Bakr Siddiq, avant de mourir, va suggérer Omar ibn al-Khattab. Et il va pas uniquement le suggérer, il va presque l'imposer. Il dira, voilà, je vous laisse Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, après avoir été poignardé pendant Salat al-Fajr par Abu Lu'lu' al-Majusi, a désigné 6 personnes, donc une assemblée collégiale. Ce qui par la suite, cette petite assemblée, va avoir un nom chez les spécialistes en fondement du droit musulman. On va l'appeler Jama'atul Halli wal Aqd, c'est-à-dire le groupe qui a le pouvoir de faire ou de défaire un certain nombre de situations d'une immense importance. Et après cela, normalement tout le monde aurait dû aller vers le Bay'a, le serment d'allégeance, qui se ferait par le plus grand nombre des musulmans. Mais bon, avec Muawiya, tout a dévié. Nous sommes passés à un autre modèle, qui est un modèle qui se fie beaucoup plus au système de la royauté qu'à autre chose. Ça, c'est ce qui a été fait par les premiers musulmans, sans pour autant qu'il n'y ait quelqu'un qui vienne et qui dise, voilà, ceci a-t-il été fait par le messager de Dieu? Surtout, par exemple, quand Abu Bakr a désigné Omar, personne n'est venu lui dire cela. Quand Omar a désigné une assemblée collégiale, personne n'est venu lui dire, le messager de Dieu n'a jamais fait ça. Il y avait assez de maturité chez les gens pour comprendre que ce qui était souhaité, c'était le bien-être général. Ça, c'est le modèle prophétique. Ce modèle, il a été institué par Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont précédé la nation musulmane ont fait dans ce que l'on appelle la théocratie. Théos et kratos. Ça veut dire que celui qui commande la population est quelqu'un qui est là pour représenter Dieu sur terre. À la base, c'était le pape. Et le pape avait un certain nombre de rois qui lui faisaient, on va dire, allégeance. Pourquoi ? Parce qu'il était puissant. Autant par ce qu'il possédait, ou par ce que possédait l'Église romaine, que par la confiance et presque l'adoration, dirais-je, des petites gens envers justement ce pape. Et la théocratie, c'est quoi ? C'est un système politique, religieux, où c'est Dieu qui commande. Sauf que Dieu ne commande pas. Dieu donne des commandements, mais il n'est pas là pour commander avec l'être humain. Donc l'être humain, ici, peut jouer comme il veut et faire ce qu'il veut au nom de Dieu. Il faut savoir que certains régimes autoritaires qui étaient opposés aux religions, comme ceux qu'on a vus avec le communisme, était aussi despotique et aussi déviationniste que ce système. Mais le problème avec la théocratie, c'est qu'à un moment donné, le pape, homme de Dieu, s'est vu investi par ce que nous appelons en arabe l'isma, c'est-à-dire l'infaillibilité ou bien l'impeccabilité, à telle enseigne qu'il ne pouvait pas avoir tort. Et ceci étant allé à crescendo vers le haut, ces papes ont fini par remplacer Dieu. Si bien que, pour peu que l'on soit ministre de Dieu, c'est-à-dire un petit prêtre, on avait le droit de donner l'absolution aux gens quand quelqu'un faisait une erreur, et il venait au confessionnal, se confesser et se voyait expier ses fautes. Pour des fautes qui étaient plus que graves, l'un des papes connus dans l'histoire, à l'époque justement de Martin Luther, le pape Léon X, est allé jusqu'à distribuer pour construire une belle église, qui, pensait-il, allait faire sa gloire après sa mort, est allé jusqu'à vendre des bancs d'indulgence, c'est-à-dire que quiconque venait offrait un peu d'argent et achetait le petit banc, était assuré d'aller au paradis, était assuré de ne pas subir le châtiment de l'enfer.
Et la théocratie a donné justement à tous ces gens matière à se comporter comme Dieu, en excommunier qui en voulait, en tuer qui en voulait, en instituer ce que l'on a voulu, comme l'Inquisition. Mais le problème, quand nous parlons de tout cela, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là si nous faisons autrement. Et à l'heure actuelle, ceux en Occident qui ont combattu ce système qu'est la théocratie l'ont remplacé ou veulent le remplacer par un autre système qui s'appelle la laïcité et qui à la base s'appelait le laïcisme. Et c'est quelque chose qui a tendance à subjuguer un certain nombre de personnes qui se réclament de l'élite dans nos pays mais qui n'en font pas partie parce qu'ils sont démunis intellectuellement. Et c'est de cela que nous parlerons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astaghfirukumullah alladhi la tadi'u wada'ihi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.